Bonjour. Les choses sont en train de se corser, n'est-ce pas? Ça devient de plus en plus difficile. Vu le nombre de messages de découragement que je reçois de votre part, it's been a minute. Look at that, a minute. Les choses vont se corser. Heureusement, malheureusement, je ne sais pas trop. Mais les choses vont se corser. Comment est-ce Estrella. Gracias. Beaucoup de personnes de la Guinée de Côte. Vous parlez de est-ce que vous parlez le français là-bas? Guinée équatoriale. Muy bien, gracias. Ok. Gracias. Je vais lancer TikTok. J'ai de la peine dans la semaine à faire. À lancer des directs. Donc j'ai beaucoup de personnes qui m'ont contacté. Ok, vous parlez le français, mais plus l'espagnol. Parce que ça m'a toujours un peu effrayé pour venir là-bas. Quand je me retrouve dans un pays où on ne parle pas le français et l'anglais, là, je m'en suis sorti au Congo. Kinshasa, il te parle le lingala, mais il parle aussi le français. Donc, par la grâce de ce que nos ancêtres vont nous permettre de faire, on va faire le. Je vais faire. Prêtez attention aujourd'hui. Just. Prêtez attention. Ok, vous devez prêter attention à ce que je vais dire aujourd'hui. Tu sais maintenant que ce ne serait pas facile. Bonjour, Luxury. Je sais que beaucoup d'entre vous, au début, quand vous veniez de commencer à me regarder, bon, voilà, elle exagère. Qui me veut du mal? Je demande déjà la présence de nos ancêtres, qu'ils puissent guider mes paroles. Que je prie pour un éveil de conscience. Vous ne pouvez pas savoir comment mon cœur, mes idées, tout. Parfois, il reste comme ça, là, au lieu de penser au chocolat, je suis en train de penser comment je dois faire pour aider les gens. Qu'est-ce qu'elle peut créer de nouveau pour que les gens soient plus conscients de leur destinée. Donc, je demande que le Saint-Esprit puisse ouvrir vos esprits pour que vous puissiez écouter, comprendre. Pas seulement superficiellement, mais que vos esprits soient éveillés pendant que je parle. Voilà. Et je demande ceci au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc moi, je crois aux ancêtres. Je sais que ça va déranger certaines personnes. Ma mère est décédée. Et je communique avec elle. Et je crois en Jésus-Christ. Donc, ceux qui sont nouveaux sur la page,
Je vous ai demandé de vous abonner à mes deux pages parce que The Gift Digger Academy sera maintenant centré plus sur les formations. Vous avez ceux qui me suivent depuis au moins 4 ans. Vous savez que j'ai commencé en tant que coach, entrepreneur et tout ça. Je poussais beaucoup les gens dans la création de leur business, les stratégies pour améliorer les ventes et tout ça. Donc, on ne peut dire qu'on a du succès si on est pauvre. Vous me connaissez avec la pauvreté depuis longtemps. J'ai retrouvé une de mes vidéos, j'ai mis ça dans le groupe hier. Ceux qui sont dans mon groupe, il y a un groupe payant et un groupe gratuit. Donc, le groupe payant, je suis encore en train de le façonner. Donc, pour l'instant, Nabosen, bonjour. Merci d'avoir partagé la vidéo, tant que je le demande. Donc, pour le moment, vous n'entrerez que dans le groupe gratuit. Ça, c'est Roi et Reine. Attendez, je prends mon morning shot. Comment on peut créer quelque chose d'aussi dégueulasse? Pourtant, c'est bon pour ma santé. It is so disgusting. I need some prayers before I start drinking this shit. Oui, je donne pour les ancêtres. C'est là qu'on pense à donner pour les ancêtres quand ce n'est pas bon. Ah. Ok. C'est un remède traditionnel. Ça purifie le corps, ça nettoie le corps, nanana. Donc, The Gift Digger Academy, en tant qu'académie, va se centrer plus là-dessus. Reine Lumière officielle va se concentrer sur votre bien-être, sur la spiritualité, comme j'ai commencé déjà. Donc, la marque... Bonjour, Niola. La marque Reine Lumière, chaque fois que vous me voyez quelque part, vous savez que je ne parle pas de spiritualité. Mais je veux quand même donner un avenue un peu plus vaste pour qu'on parle d'argent, d'entrepreneuriat. Et il y a un média aussi que je suis en train de façonner qui va s'occuper des leaders. Parce que je trouve que les leaders africains ne partagent pas leur expérience avec le public. Donc on se retrouve en train d'aller s'inspirer chez les blancs. J'ai dit blanc. On se retrouve en train d'aller s'inspirer chez les autres. Et donc le média est en cours de façonnement. Bon, j'ai 2-3 autres projets qui sont encore dans la marmite, ça cuit. Ok. Ça va faire... Hier, j'ai voulu faire le direct. Ça ne le faisait pas. J'ai essayé n'importe comment. J'avais du crédit dans mon téléphone, nanana. Ça ne marchait pas. Vous devez comprendre qui vous êtes d'abord. Et je sais que ça, c'est un peu la difficulté que beaucoup d'entre vous avez. Quand vous tombez sur ma page, vous dites, ben, jusqu'à présent, je me suis vue comme une fille qui n'a pas de mission sur la terre, une fille sans objectif. Comment elle veut que je croie? Une femme que j'ai vue dans mon téléphone, je t'ai même jamais vue physiquement. Je viens commencer à me dire que wow, j'ai les dons, que wow, j'ai une mission sur la terre. Mission Baka. Mission Baka. C'est ok. Ça, c'est la bataille que vous avez dans votre tête. Si vous avez, je vais donner quelques caractéristiques. Donc, votre vie a été principalement caractérisée par des échecs. Vous avez été très négligé. Bonjour Adama, comment tu vas? Vous avez été très négligé dans votre famille, combattu même. Et croyez-moi, quand vous combattez, c'est un sentiment que vous ressentez. Genre, tu peux être la fille la plus gentille de la famille, mais tu as l'impression que tes cousines te détestent. Tu as l'impression que... I don't know. J'ai l'impression que mes cousines me détestent. Pourquoi? I don't know. I'm feeling like... Et... Ulrich, bonjour. Contacte-moi après, s'il te plaît. S'il vous plaît, n'incitez pas les gens sur ma page. Elle est ignorante, il n'y a pas de souci. Ne lui dis pas ça, je t'en prie. Ok? Ne venez pas me dire ce qui se passe dans votre vie depuis que vous faites mes bains. Des trucs dégueulasses comme les asticots. Je ne veux même pas prononcer ça en direct. Je ne veux pas former ça dans l'esprit de mes followers. Ok? Voilà. Ne me racontez pas vos rêves. Si vous écoutez ce que je dis, ça ne vous dit rien, partez. Voilà. Nos relations doivent être claires. Donc, tu te retrouves incomprise. Et très souvent, tu as arrêté beaucoup de relations parce que
tu avais l'impression que tu étais plus deep que la personne. On va s'arrêter un peu, like, on va un peu, we're gonna just dwell here, just for a minute, okay? Les choisis, les personnes élues, avant qu'on t'appelle même élue, il y a toujours eu comme un brin de... comme un brin de jalousie de la part de ta famille à ton égard. Ça, c'est quand tu grandissais. Peut-être que tu étais toujours premier de la classe et ça énervait ta tante. Elle te déteste, mais devant les gens, elle dit, oh vraiment, il faut faire comme Jocelyne. Hein? Vraiment, elle est intelligente jusqu'à... Et c'est plus tard, 40 ans plus tard, que tu découvres que cette tante-là a toujours pratiqué sur toi. Tu découvres que cette tante a toujours manipulé peut-être ton père pour que ton père ne te traite pas bien. Cette tante a toujours manipulé ta mère pour que ta mère ne soit pas gentille avec toi. Le choisir aussi, c'est cette personne-là que tu as grandi, ton père était riche, ta mère était riche. Mais toi, on pouvait pas, ça ne pouvait pas se voir sur toi. Like, are you sure? Tu es sûr que ta mère a l'argent? Si ta mère a l'argent, pourquoi tu es comme ça, like, you know? Tu fais quoi dans l'école de... Tu es au lycée, on paye 10 000 francs au lycée. La pension, ce n'est... C'est vrai, c'est maintenant que la pension, c'est 50 000. Je prends un père à l'époque, c'était 15 ou 20 000 la pension au lycée. Donc, c'est ta part là-bas. C'est ta part là-bas. Franco Luxury, je vais te bloquer, oh. Tu as compris? Viens conseiller les gens dans mon ticket, tu vas voir. Que continue ton bain et demande à la reine un travail spirituel. Il a écrit ça, je ne suis pas ici pour écouter les témoignages tordus des gens. Tu as compris, non? Je ne suis pas là pour les témoignages tordus des gens. Mais il dit qu'il avait les articles chez lui et puis quoi? Donc tu viens conseiller les gens, c'est là tu quittes de mon direct. Oui ou non? Moi, je te préviens d'abord. Un autre signe aussi que tu es élu, très souvent, tu t'es retrouvé incompris. Majoritairement dans les relations amoureuses. Même un élu qui est marié, même si tu es dans le mariage, tu as toujours l'impression que ton mari ne te comprend pas. Tu as l'impression que, je ne sais pas comment dire, c'est comme si tu es à part dans ton monde et tu n'aimes pas trop blend, te mélanger à la société en tant que choisi. Et les choisis aussi n'ont pas... ils aiment être seuls. En fait, c'est quand tu as le break-up, quand tu... entre deux gars, entre deux mecs, entre deux relations, la période entre les deux relations-là, tu es à l'aise. Si tu regardes bien tes accomplissements, c'est le temps-là que tu vas ouvrir tes magasins, tu vas voyager, et puis quand tu voyages, quand tu vas déjà mieux, tu rencontres encore un autre chocolat. Par là, tu tombes encore. Donc, il y a toujours... Ce sont vos caractéristiques là-bas. Parce que la relation tend à être généralement comme la société l'exige. Et les choisis sortent ensemble, sortent avec des personnes hors du commun. Genre, tu vas voir, une choisie va sortir avec quelqu'un plus jeune qu'elle. Une choisie va sortir avec quelqu'un qui, elle est peut-être riche, ou bien il est riche, il soit avec une personne sans regarder son statut. Donc les choisis sont les personnes qui ont brisé des barrières de société. Tu vas pas aller sortir avec une femme parce que ta mère aime le genre de personnes-là. Non. Ta mère veut une femme qui est badounaise, une femme qui est de ton village. Mais toi, tu vas lui ramener une Kenyane. Et ta mère veut dire, mais c'est quoi ça? Hein? Donc les choisis n'ont pas... Dans ton esprit, c'est comme si tu n'es pas assujetti aux règles. Tu n'es pas assujetti aux lois, aux normes qu'on voit dans la société. Et les choisis sont aussi comme des aéroports où les idées révolutionnaires se déposent généralement. Très souvent dans votre parcours, vous avez toujours des idées qui chamboulent un peu le monde. Quand je serai grand, je vais créer une application qui va permettre aux gens de voler. Je vais faire une application qui va permettre qu'on se téléporte. Oui, je suis sûr que la téléportation est possible. Je veux vous le prouver, un de ces quatre. En fait, that's you, you know, that's you. Qu'est-ce que vous reconnaissez en vous là? Quels sont les, parmi les signes, qu'est-ce que vous reconnaissez? Bonjour Hubin. Un choisi aussi, c'est quelqu'un qui a échoué tellement de fois que son deuxième nom c'est échec ou son deuxième nom c'est blocage. Quand on le voit, on dit Jasmine blocage, Ebenezer blocage.
Et quand Blocage voit Ebenezer, Blocage dit, hé, grand frère, passe. Que moi, je suis le Blocage, mais toi, là, tu m'as déjà dépassé. Est-ce qu'on peut te bloquer comme ça? Jusqu'à Blocage te voit lui-même et dit que, yeah. Il y a aussi une option. Soit, la faveur que vous aviez quand vous étiez petit vous a permis de très vite avancer. Peut-être que tu es arrivé en Europe très vite. Et quand tu es arrivé là-bas, on t'a bloqué pendant 15 ans. Donc, tu vas voir que, hein, tu as, au début, tes choses étaient ouvertes, quelque chose comme ça. Après, tu es arrivé une période où tu finis ton diplôme peut-être. Tu passes 8 ans à chercher le boulot. Tu te maries 4 fois, tu échoues le mariage. Donc, c'est comme s'il y a quelque chose qui vient pour te taper. Échoue. Et c'est tellement récurrent que l'échec ne te fait plus peur. En fait, c'est comme si tu fonces même sur l'échec. Je suis désolée, mais c'est, à un moment, j'avais comme l'impression que je fonçais sur l'échec. C'est un peu comme si c'était mazo, mais bon. Seigneur, pardonne-moi. J'avais l'impression que j'étais mazo. C'est comme si partait tout sur les trucs et c'est que ça va échouer. Et ça échouait big time. Like. Mais ça construit quelque chose dans l'élu. I don't know. Quand tu échoues, les gens se moquent, on se moque de toi. Mais toi, tu ne vois pas l'échec pareillement. Ok, je suis partie là-bas, j'ai lancé le magasin, ça n'a pas marché, mais j'ai appris. Parce que les élus sont censés passer par les étapes d'échec pour que ça les façonne. Voyez un peu Joseph dans la Bible. Joseph va chez Potiphar. Il commence, il parle. Je suis le directeur de tout le ranch. C'est moi qui contrôle tout le monde. Après, la femme de Potiphar se lève, elle le poursuit. Elle dit qu'elle veut le jus. Il dit qu'il boit que la bière. Finalement, il refuse. Elle manque maintenant sur lui. Du jour au lendemain, il quitte le directeur de tout le domaine. Il est en prison. Une deuxième fois. Donc voilà, en prison. Par calac. Finalement, le chef de prison le repère. Mince, le petit c'est là. On le prend. Il commence. Moi, je suis le plus grand des prisonniers, mais il est en prison. Parfois, tu peux avoir été dans des circonstances où tu sentais que tu commençais à avoir de l'autorité, mais peut-être tu étais dans le mauvais pays. Maybe you were in the wrong country and you started prospering and then at some point you were like, oh my goodness, what's happening? You were prospering in the wrong area, in the wrong department, in the wrong place. Tu es tenté de prospérer dans le mauvais endroit. Mais ça t'apprenait toujours. Merci pour les fleurs, merci à ceux qui donnent. Et là, t'arrives à un moment où on détruit encore tout ça. J'imagine Joseph, la nuit, on l'a appelé, on a dit que, ah oui, quand il a eu le monsieur, le butler en français, c'est quoi? Il avait le butler, il a pris le butler. J'ai lu la Bible en anglais la première fois. Mais je sais que le butler devait arriver devant le roi et intercéder pour Joseph. Genre, il y a un monsieur qui m'a aidé quand j'étais en prison. Il voit les rêves, Le butler arrive, il n'aide pas Joseph. C'est pour ça que Joseph se retrouve encore 2 ans. Gars, ce n'est que Dieu qui peut sortir l'élu de son trou. Personne ne peut venir dire que Amiens, c'est moi. Jocelyne là, c'est moi qui l'ai fait. Hein? Marie-Emma, c'est moi qui ai fait. Marie-Emma, ne vois pas Marie-Emma comme elle est arrogante ou comme ça là. Hein? Andy là, mais c'est moi qui ai fait Andy. Mais elle venait souvent ici chez moi, elle mangeait le reste de ma nourriture. Je retirais les mèches sur ma tête, je donnais à Andy. La comédie a commencé dans mon corps. Non. Personne ne peut venir dire que c'est moi. What you be this? Comprends? Donc c'est Dieu. C'est Dieu qui démarre tes choses. C'est Dieu qui. Comment on dit que c'est Dieu qui a commencé? C'est lui. Ça, c'est l'une des caractéristiques des élus. Et dans ton processus, tu as l'impression que. Souvent, tu as l'impression que tu connais. Souvent, tu connais que je suis sur le chemin. Même si tu souffres, même si tu as fait mal au tapioca. Tu m'en as checké tous les jours, sans poisson, avec l'huile rouge. A checké sel, huile rouge, avec un peu de tomate à côté. C'est ça ta nourriture. Mais tu as l'impression que tu es sur le bon chemin. Il y a quelque chose en toi, il y a comme une boussole qui te fait comprendre que je suis sur le bon chemin. Je suis sur le bon chemin. On jeûne demain, s'il vous plaît. Ne manquez pas vos jeûnes. Si vous êtes malade, vous êtes enceinte, non. Mais contactez mon standard, vous dites que vous voulez entrer dans le groupe de prière. On jeûne demain.
Le mois de mai, si, il y a beaucoup de choses que vous devez prendre dans les deux prochaines semaines. Les deux prochaines semaines de mai, je crois qu'on va peut-être faire 3 jours de jeûne, mais bon, je verrai. Parce que c'est très intense. Et les attaques, vous allez réveiller beaucoup de vos familles, parce qu'il y a des bénédictions ancestrales que vous devez récupérer. Et ils sont là pour vous empêcher. Donc ne blaguez pas, s'il vous plaît. Attendez, je mets ma vidéo sur TikTok dans les... Je vous ai parlé du contenu que je posterai. Donc, ceux qui s'abonnent sur la page Reine Lumière officielle, vous allez souvent... Voilà. Il y a beaucoup de choses que vous portez. Et le matin, on me montrait. Parce que j'ai l'impression que plus j'avance. Ok? Like, you know, let me just put this in a form like a video again. Attendez, j'ai beaucoup de messages ce matin. Quand il fait longtemps, je ne fais pas les vidéos. Croyez-moi, je suis en plein téléchargement. Vous avez beaucoup de bâtons, pouvoir. Ancestraux que vous êtes en train de ramasser. Eric, je vous vois dans un champ et vous aurez l'impression que on vous révèle, beaucoup d'entre vous, on va vous révéler dans le mois de mai, si on vous a révélé qui était votre grand-père, qui était votre arrière-grand-père. Certains d'entre vous, vous allez partir sur la terre de vos ancêtres. Par exemple, moi, dans ce mois de mai, je suis partie dans une région d'où mon arrière-grand-père maternel, donc le père de ma mère. Le père de ma mère, pas la mère de ma mère, ok? Donc, je suis partie dans la zone d'où il venait. C'est fou, c'était un combat pour y arriver. Mais quand je suis arrivée, j'ai eu la sensation qu'il y a quelque chose que je suis en train de récupérer sur cette terre. Et quand moi j'ai eu des confusions terribles, like, why am I even going there? Pourquoi il parle même là-bas? Ah, je change d'avis. Après, je change d'avis. Après, donc, il y a beaucoup de pouvoirs qui vont s'activer. Il y a des détails de votre mission que vous ne pouvez pas découvrir tant que vous ne traversez pas certaines étapes. Tout ce que je vois, c'est que le mois de mai, vous allez ramasser. Tu vois, comme quand il pleut, et les criquets, moi j'ai ramassé les criquets quand j'étais petite. Après la pluie, on devait vite sortir pour ramasser les criquets et les termites. Et je crois que les termites, c'était pendant la pluie. Les termites, c'était pendant la pluie. Tu sors, tu vas à côté de la lumière, tu mets de l'eau. Ils aimaient beaucoup tomber dans l'eau, je ne sais pas pourquoi. Les bêtes, ils sont tellement bêtes. Donc, ils aimaient tomber. Tu déposes l'eau et puis ils viennent dedans, tu ramasses, tu mets dans ton truc là, tu les pièges. Donc, il y a une pluie d'abondance activatrice qui est en train d'activer les dons et les pouvoirs des choisis. Et si vous n'avez pas... En fait, tu me suis depuis 2 ans, tu es spirituel depuis 2 ans, et tu te dis, voilà, j'ai tout vu. We're not done with you, girl. Il y a encore beaucoup. Dites-vous que vous n'avez même pas encore découvert 3% de vos pouvoirs. Vous m'entendez? Vous n'avez pas encore activé 3% de vos pouvoirs. Donc, vous comprenez que c'est délicat. Vous n'avez pas encore activé 3% de votre puissance. Beauté. La dame à l'amour. Et vous allez avoir comme des rêves. Je vois une baisse dans votre travail spirituel. Genre... Il peut vous dire ça. Tu perds la niaque de faire ton travail comme avant. Et ça fait partie, comme la Bible dit dans Ésaïe 54, j'ai créé
le forgeron qui fait les armes pour te tuer. Et maintenant, je te dis que ces armes n'auront pas d'effet contre toi. Donc, même la période où tu baisses, c'est prévu. Donc, vous aurez beaucoup de rêves. Vous allez beaucoup bagarrer ces jours-ci. Vous allez tuer beaucoup de gens dans les rêves. I'm sorry, but oui. Je suis pas meurtrière, moi. Non, tu es arrivé dans une saison de vengeance. Et la vengeance, là, je sais que tu es généralement très douce. Like, ah, il faut les laisser, Seigneur, bénis-les. Bless them, God. Bénis mes cousines, Dieu. Tu vas les tuer dans le rêve ce dernier jour, mamie. Tu vas les tuer. Tu vas casser le cou des gens dans le rêve jusqu'à tomber, tu vois, Wanda. Mais j'ai tué les gens dans la nuit jusqu'à ma pivine. Oh, chica, sugar. Et quand tu vas te réveiller, tu auras l'impression que tu es épuisé. Tu auras l'impression que, like, you know, I'm so tired. C'est parce que il y a une partie guerrière en toi qui est en train de s'activer. Je vous dis souvent que le travail spirituel a les étapes. Et peut-être un travail que tu as fait toi en novembre. C'est maintenant 6 mois plus tard que ça se réveille. C'est là que tu rentres vraiment dans la plénitude de ce que tu as accompli. Donc, beaucoup de votre sang va s'activer. Et votre protection aussi va devenir plus réelle que jamais. Donc, première chose, ne vous en voulez pas. Comprenez où vous êtes. Je vois une personne ici, là, tu vas vouloir t'en vouloir. Oh my goodness. Ah, je ne fais pas ce qu'il faut. Je suis trop paresseuse. Parfois, s'il faut même ramper seulement pour se laver au sel, rampe, tu ne peux pas te laver. Parfois, si c'est seulement le sel que tu peux faire, fais, tu quittes ça. Il y a des jours où tu vas composer, tu seras en télécom. Quand tu fais des potions magiques, tu mets un peu de ça, un peu de ça. Il y a des jours où c'est à peine si tu prends le sel avec le doigt pour mettre dans l'eau. Ça fait partie du contraste. Il y a même des périodes où tu ne vas pas te laver au sel pendant quelques jours. Ça, c'est pour t'exposer. Pour qu'on voit un peu si ton esprit là, si c'est fort. Beaucoup de personnes ici, vous êtes liés à l'ancienne Égypte. Et c'est un peu comme si on doit vous déplacer. Si vous êtes amené à voyager de façon imprévue ces prochains jours, ces derniers jours, ne vous lamentez pas sur votre sort, ne vous plaignez pas. Suivez parce qu'on doit vous positionner quelque part. Il y a des batailles que vous devez traverser pour vous comprendre. Et il y a des pouvoirs qu'on ne récupère qu'après une bataille. Dans l'ancienne, à l'époque, quand on partait conquérir un territoire, on ne s'asseyait pas à la maison, on dit oh, on a conquis le territoire. On allait là-bas, on se battait. On coupe la tête du roi. Dès que les gens voient la tête du roi, là, ça, c'est bon. Si notre chef est mort, c'est bon. On a perdu. Donc, ça venait après une bataille. Et je vois beaucoup d'entre vous que, après, avant, vous ne comprenez pas ce que c'est que la bataille. La bataille est nécessaire. La bataille est nécessaire. Et vous allez aussi comprendre ce que vous traversez. Dans le sens où, avant, tu faisais les bains juste parce qu'il fallait faire. Et je sais que beaucoup d'entre vous, vous ne faites pas. Je vous connais. Quand ils vous rencontrent dans la rue, tu fais tes bains. Ah, tu sais. C'est souvent, hein, je fais une fois par mois. Beaucoup d'entre vous, c'est un peu comme s'il y a un voile qui va quitter de votre visage. Et soudainement, vous allez vouloir vous concentrer sur votre travail spirituel. Je rappelle qu'aucun travail spirituel n'est perdu. On ne perd jamais rien. Jamais. Certains d'entre vous, quand vous allez sortir de ces batailles-là, vous aurez de nouveaux pouvoirs. Pouvoir de voyance, ça va s'activer. Et certains aussi, vous devez rentrer dans cette bataille parce que vous devez activer. Votre mission, c'est de briser les malédictions de votre famille. Au début, quand tu commençais, ça fait 5 ans. Oui, c'est moi qui vais briser les malédictions de ma famille. Oui. C'est tellement chaud sur ton corps que depuis, tu ne penses même plus à ça. En fait, on me dit que c'est quand tu ne penses pas à ça que tu es effectivement en train de faire la chose. C'est un contraste assez bizarre. Tu te lèves, tu dis, ouais, je suis le guerrier de ma famille.
je suis censé délivrer ma famille. Et là, depuis quelque temps, tu n'as aucun like. T'as l'impression que tu ne fous rien. Je vois quelqu'un ici qui est en train de se... Tu te morfonds sur ton sort. Monsieur Thomas, tu dois être quelqu'un qui est très paresseux. Je me moque pas de lui. Ouais, comment vous riez comme si je me moque? J'ai faim jusqu'à... C'est comme si je me suis réveillé dans la mamie. Jesus! J'ai faim. Car j'ai trop faim. Il est 6h50. C'est terrible. Hein? Malheureusement, beaucoup d'hommes, c'est comme si on vous a attaché. Je suis vraiment désolée. Beaucoup d'hommes, c'est comme si on vous a attaché. Et tu vois, un homme sait que si je n'entretiens pas ma femme, on va se séparer. Ah, c'est si depuis que j'ai perdu mon travail qu'elle le fait. Mais voilà. Tu as perdu le travail. Écoute, hein, c'est comme une malédiction. I don't know how to say it, you know. Attendez. Veut la vraie nourriture. Il doit manger la vraie nourriture à 7h30. Où est-il, Bidis? Bon, je veux les fruits, je veux les fruits. Regardez, hein, il y a une sorte de mauvais sort. Attendez, je vous explique. Ce qui sépare beaucoup les couples de nos jours, ce n'est pas le manque d'amour. Il y a beaucoup d'hommes qui ont des malédictions sur eux. Et ces malédictions sont dans le sens où c'est comme si l'homme ne cherche pas l'argent. Et je ne vais pas vous mentir, le facteur le plus stabilisant pour une femme, laissons tout ça, c'est l'argent. Maintenant, si l'ennemi fait de telle façon que l'homme ne veut pas chercher l'argent, bien sûr qu'il a attaqué votre foyer. Même si la femme t'aime n'importe comment, elle souffre chaque jour. Et à ce moment-là, c'est là que l'homme est frappé par une paresse que lui-même ne comprend pas. Parfois même la maladie. J'ai un de mes collaborateurs qui me dit hier que vraiment, lui-même, il ne comprend pas. Avant, il bossait bien, mais depuis un temps, tac, il a d'abord tapé un tel nombre de mois de maladie. Et après, maintenant que sa femme a trouvé le boulot avant lui, c'était n'importe quoi à la maison. C'était n'importe quoi, les moqueries. Les insultes, oh, tu ne fais rien. Et c'est comme si quand la femme se plaint, il y a un truc dans l'homme qui fait que, il dit, ah, I don't know. Like, c'est comme si un truc qui l'a désensibilisé. Il ne comprend pas la valeur, l'importance. Il n'est pas sensible. Vous voulez qu'on fasse comment? Et les femmes, très rarement tu vois une femme qui va rentrer dans la bataille et qui va pousser son mari à être patiente. Croyez-moi, vivre avec un homme, c'est toi qui paye toutes les factures à la maison. C'est pour ça qu'elles ont des sautes d'humeur terribles. Hein? Un coup, elle t'aime, un coup, elle t'aime pas. Un coup, oh bébé, je vais t'attendre. Un coup, mais regarde, tu es paresseux, tu fais quoi à la maison? Lève-toi, tu vas travailler. Va travailler. C'est quoi ça? La minute d'après, elle t'aime. Ouais, bébé, je suis désolée. Là. Moi, je veux partir. Je veux partir de cette maison. C'est moi qui paye le loyer de toutes les façons. Parfois, tu dis que tu vas même le laisser seul pour voir s'il va s'en sortir. C'est comme une pandémie qu'on a lancée sur les hommes. Beaucoup de femmes sont en éveil. Beaucoup de femmes sont en éveil.
Et si tu as commencé tôt avec un homme et que toi tu es en éveil et que lui n'est pas en éveil, dans quelques mois ce sera visible. Après qu'elle ait dépensé toutes ses économies sur ton projet pour maintenir la maison et que finalement ça n'ait pas donné quelque chose, elle va se fatiguer. J'avais mes 3 millions que j'ai économisés. Je fais 6 mois à la maison avec toi, mes 3 millions sont finis. Oh bébé. Eh, tu fais, on ne se bagarre pas ici là. Vous croyez quoi? Hein? Oiseau vert là. Donc, c'est quelque chose qui. Ça teste la patience de certaines femmes. J'en connais qu'elles n'ont pas tenu. Hein. Elles ont dit non, moi je préfère partir. Je pouvais être seule. Tu avais un homme, tout sur les enfants, c'est toi qui fais. Tout sur les enfants, tu fais. Sur toi-même, tu fais. Parfois, prends ton propre argent, il peut t'acheter le cadeau avec. Parfois, il utilise ton argent pour t'acheter le cadeau avec. Qui est là? Ça fait partie de vos tests. Maintenant, je prie que les hommes qui écoutent ceci, que vous vous leviez. Je prie que votre esprit s'ouvre. Et que vous vous leviez vous-même, les hommes. J'ai comme l'impression que Dieu a fait la femme plus intelligente que l'homme. Oh, la femme voit plus loin que l'homme. La femme anticipe les choses. Et si tu vois une femme même que ça n'est pas ouverte pour voir, on l'a peut-être bloquée pour qu'elle ne sorte pas. Je ne suis pas féministe, c'est une réalité. Mais tu vois une femme, parce que dès que tu exposes une femme à un business ou un truc, elle voit, tac, 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 elle voit plus loin. Sinon, ça te fait tac, 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 calcul, rapide. Tu l'amènes, voilà, j'ai construit ça là seule quand elle ne te connaissait pas encore. Elle prend les idées de ton business là. En 6 mois, elle multiplie ça par 10. Maintenant, je crois qu'on est victime de la société. Les choses qu'on vous a dit que l'homme est censé faire là, qui vous a même dit ça? Merci beaucoup, l'abus. Qui vous a même dit ça? Hein? L'homme est censé, la femme est censée. C'est écrit où? Allez lire le proverbe 31. C'est la femme de l'homme là qui fait tout. Il ne vient pas la taper en disant tu es censé te soumettre. C'est sa femme qui fait tout. Il y a des endroits que c'est que l'homme qui peut entrer. Genre quand vous partez pour doter votre fille, on part vous partez pour doter votre belle-fille. Les négociations, si le père du mari est encore en vie, c'est bien quand c'est l'homme, le papa qui se met devant. Ouais, voilà, parlons sérieux. Mais on sait que le cerveau de toute la chose là, c'est la femme. Hmm? On sait que c'est l'homme qui est derrière, non? On sait que c'est la femme qui est derrière, non? Pensez à mettre un équilibre. Je suis en train de préparer des programmes sur le mariage. Ce n'est pas moi qui enseignerai. J'interviendrai souvent. Mais il y a des formations. Je vous en ai parlé depuis. Le projet est... On voit derrière la tête. On est à 9 doigts. Mm-hmm. Bientôt, on m'a dit pousser, madame. Ça va sortir sur les mariages. Parce que le mariage des choisis est délicat. Pour que les choisis comprennent certaines choses et restent en relation. C'est délicat. Et celui qui va vous enseigner ça, c'est un homme soumis. C'est un homme soumis qui est l'enseignant de... Marcel, mon fils me cherche. C'est un homme soumis qui est votre professeur. Donc quand les vidéos seront prêtes, on va commencer à poster. Proverbe 31. La femme, elle fait tout, elle se lève tôt, elle s'occupe des servantes, elle donne des business à faire, elle achète les terrains. C'est elle qui gère les finances de la maison. Il y a beaucoup d'orgueil qu'on a mis dans les hommes aujourd'hui. Pour moi, hein, si tu as tes idées, moi j'ai mes idées. Tu es mon mari. 98% des cas, mes idées marchent.
Mon intuition marche. Si moi je suis l'homme, attends, je me couche, ma femme fait tout. I'm so sorry. Je crois que, I don't know. I know I'm not crazy, okay? I'm not crazy. I am not crazy. I am not crazy. Allez lire un peu le proverbe 31. Allez le lire. Beaucoup de problèmes que les hommes ont avec leur femme ici, c'est que la société veut les bomber trop. Et c'est pas difficile pour. Genre, tu dis, ok, il y a le projet de construction de la maison. Il faut économiser peut-être de l'argent. Il faut peut-être. La buena, please. You send me a message. I read the message. Don't start. I'll block you. Ok? I'll block the fuck out of you. I wish you could read my messages. N'importe quoi. Vous écrivez quelque chose, vous n'êtes pas concentré sur ce que vous me dites. J'ai lu ton message, j'ai répondu tout à l'heure, non? Your message is going to give me money. Hmm? Did you put money in your message? Ouais. M'embêtez pas, hein. On sait que monsieur est à 6h30 pour faire le direct ici là pour vos bêtises. Parfois, je souhaite que les gens pensent par eux-mêmes. Que chaque chose qu'il y a dans ta vie, que c'est toi qui es pensé. Parce que tu es resté, tu as essayé comme les gens t'ont dit de faire. Après, tu as vu que ça ne marche pas. Il y a des waka. Ils sont hier. Après, tu as dit que laisse-moi diriger ma relation par intuition. Quand tu commences à vivre par intuition, tu vois, c'est bien. De temps en temps, ta tête revient. Non. Après, tu vis encore par intuition. Après, tu dis que non, c'est trop bien, c'est trop beau. La société m'a dit que c'est censé être comme ça. Après, tu essaie un peu de vivre deux jours selon ce que votre cœur vous dit de faire. Moi, je suis très left brain. Je suis très. Je réfléchis trop sur les choses. Je science trop. Donc, me laisser conduire par un truc que mon cœur me dit de faire, c'est mon combat. Mais quand je le fais, c'est marvelous. Même le type d'homme avec lequel vous devriez sortir. Oh, une femme comme toi, tu devrais être avec un homme qui est comme ça. Hein? Si j'étais avec un homme qui est comme vous pensez, c'est que je ne suis pas ce que je suis aujourd'hui. Et croyez-moi, j'aime qui je suis aujourd'hui. I love who I'm becoming. Pensez-y. Si j'étais avec l'homme qui correspond à ce que vous voyez de moi, parce que vous ne me connaissez pas. You don't know me. Est-ce que vous me connaissez? Vous connaissez la face que je viens vous montrer? Je suis une personne très dure de caractère. I am difficult to live with. Je suis la fille la plus bipolaire qui peut exister sur la terre. Un coup je t'aime, un coup je t'aime pas. Un coup je vais te foutre à la porte. Un coup je veux partir. Un coup je. Oh my god, oh je t'aime. Oh merci d'être dans ma vie. Oh je ne te laisserai jamais. Oh. Quand la folie me voit et se pousse, je passe. Dès que grande soeur passe. Grande soeur Jocelyne passe. Marie et Mathieu. Aïe. Quoi? Quand la folie me voit, il dit, aïe, pardon, poussez-vous. Même mes employés connaissent déjà. La femme la plus imprévisible. Et j'aime être vrai. I don't know why. Je ne sais pas. Je n'arrive pas à prétendre. Je veux dire qu'elle prétend. Je vais arriver. Dès qu'elle va rentrer dans la pièce. Je suis censé faire 3 heures de temps là-bas. Après 2 minutes, il va me fâcher. Il veut sortir.
Il dit que si c'est ça qui aime de l'argent, et bien t'as vous laissé, partez avec l'argent. Laissez, partez. Oui. C'est ça. C'est pour ça que je dis que et Dieu va te donner souvent quelqu'un qui est tellement doux. Donc, c'est comme si la personne attendait les folies. Et généralement, c'est quelqu'un qui a une mère folle. Un homme qui a une... Sa mère était folle. Donc, il a été préparé pour tes folies. Ah, moi, il dit les choses ce matin que moi-même, je ne sais pas d'où ça sort. Sa mère l'a préparé pour ta folie. Donc, quand il arrive dans ta vie, toi-même, tu es dépassé. Même le dépassement est dépassé. Aïe. Tu commences. Il te regarde. Tu l'insultes. Après, il dit, bébé, tu veux manger quoi? Aïe. Je viens de t'insulter. Tu m'appelles encore chérie. Hein? What you be this? Et c'est comme si souvent je cherche les problèmes. Je n'aime pas. Donc, vraiment, Seigneur, pourquoi? C'est comme si je n'aime pas la paix. C'est comme si je n'aime pas la paix. Donc, je reste comme ça, c'est calme, tout est romantique. Un truc fait comme ça, là, un genre, là. Je ne sais pas. Un truc fait un genre. Je me lève et comment ça fait comme ça, là? Les problèmes commencent. Oh, Seigneur, je peux passer sur ce sujet, Dieu. En tout cas, à toute folle, il y a un gars dehors là-bas. À toute folle, il y a un psychiatre. On me dit que ton psychiatre arrive. Je ne sais pas, il y a quelqu'un ici là que... Ton psychiatre arrive. Il arrive. Tu as compris, chérie? C'est peut-être ton message ici là que ton psychiatre arrive. Il arrive. Il est en chemin. Beaucoup de joie dans ta vie. Quelqu'un qui va te laisser être très créatif. En fait, c'est l'une des conditions pour que tu sois comme tu es. Tu as besoin d'être toi. Tu as besoin qu'on te laisse t'exprimer. Comme un chien que tu lances dans le champ. Tu dis cours, cours chien, il court. Quand il est fatigué, il revient. Oui. Le chien revient, tu lui donnes un petit tout dans la bouche. Il mange, il boit un peu l'eau. Après, pas encore. Oh, franchement, je ne sais pas pourquoi, mais ça, c'est quelqu'un. Ça, c'est quelqu'un ici. Non, ça, c'est pour toi. Et cette course que tu fais dans le champ, là, ça va apporter l'argent. C'est ça qui apporte l'argent dans votre famille, dans votre couple. Plus tu te lèves, tu vas faire ce que tu ressens. Et plus tu deviens toi. Like. Et c'est comme ça que ton argent augmente. Je suis désolée, mais on me montre un contraste financier. Genre, quand tu es stressé, tu fais ce que tout le monde veut de toi. Tes sous diminuent. Mais quand tu te laisses exprimer, que ça attire l'argent. Et thank you Joël, il y a des personnes ici, on me dit que votre temps de bonheur est en train d'arriver et ce bonheur tu dois le vivre loin des gens. Il y a certaines personnes qu'ils doivent te voir comme une fille qui est malheureuse. Ils doivent croire que tu ne fais même jamais l'amour. Tu as compris? Donc grâce, elle ne peut pas être belle, elle a l'argent et elle est heureuse. Comment? Pourquoi? Belle, avec l'argent, et tu es heureuse. Bloquons là. Il y a des gens qui ne doivent pas savoir que tu... Je m'en suis bien. Mais en même temps, il y a des personnes qui te poursuivent pour te faire du mal, qui n'ont pas abandonné. Oui. Et c'est comme si récemment, tu as voulu repartir vers eux. Genre, tu avais coupé certaines personnes et tu as voulu repartir vers eux. Bon, je suis devant la piscine, donc il y a beaucoup de d'insectes qui aiment mon corps. I don't know why. Why you love my skin so much? Donc, le truc, c'est que tu auras beaucoup, beaucoup de batailles mentales d'abord. Et quand tu vas traverser... Ok, je vais vous dire ce que je vois exactement.
Dans le passé, tu as échoué dans tes relations parce que les gens, dès qu'ils ont vu que tu étais heureuse, like, boom, c'est comme s'ils sont venus, comme une mouche que tu tapes, tu le tues, tu non. Ils sont, they shut down your blessing, they shut down your happiness. Maintenant, le prochain bonheur que tu es en train de sentir venir, tu le ressens. Tu ne te casses pas pour montrer aux gens, même les statues. Ceux qui me suivent depuis un bout, qui ont mes numéros, je postais avant. Like, I don't even feel like. J'oublie même de prendre les photos quand je suis heureuse maintenant. I just enjoy. I don't have the time. Donc, il y a un bonheur, il y a une dimension de bonheur qui est en train d'arriver là. Et c'est en train de rafraîchir ton âme. Et ça fait aussi que tes ancêtres sont très contents. Bonjour, championne. Il y a certains de tes ancêtres qui sont morts, peut-être ta mère qui est morte trop tôt. Et elle veut. C'est un peu comme si quand tu es heureuse, elle est là. Quand tu es heureuse et que tu vis vraiment bien, ta mère est là. Et c'est son bonheur de te voir heureuse. Bonjour Manou, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Donc il y a un bonheur qui arrive et il n'y a pas de larmes sur ça. Ça n'a pas de larmes. Maintenant, je vois aussi beaucoup de voyages. Donc si tu as l'opportunité de voyager, je vois peut-être quelqu'un qui se déplace à travers l'Europe, tu vas peut-être en Pologne. Donc quand ça va arriver, laisse-toi voyager, vas-y. Ces déplacements vont ouvrir ton esprit. Ce n'est pas le Boza, hein. Le Boza pas. Il y a quelqu'un aussi, tu es en train de sortir d'une prison dans laquelle on t'avait mise. Et c'était les gens avec leur opinion qu'ils avaient de toi qui t'avaient mis dans cette prison. Je vois quelqu'un que tes amis, tu as un cercle d'amis, voilà. Ils ont une façon de voir. Et quand il faut même avoir quelqu'un avec qui sortir, tu te dis, ah si je leur présente celui que j'aime, qu'est-ce qu'ils vont en penser? Rien dans ta vie n'est censé être conventionnel. Rien. N'essaye même pas. Ok, je vois aussi quelqu'un que les gens qui t'entourent, leurs yeux, c'était comme le mauvais œil. Ils te font croire que, à la base même, c'est comme s'ils te veulent du bien. Oui, on veut que tu sois heureuse. Oui, mais leur opinion indirecte sur ta vie, ça t'a souvent bloqué et ça a souvent influencé. Je vois quelqu'un carrément avec tes employés, tes petits frères bien, dont les gens à qui tu ne dois pas d'explication. Mais ces gens-là viennent toujours s'immiscer dans ta vie et te donner leur opinion. Ah oui, mais il est quand même bien. Ton nouveau gars est bien. La prochaine fois que tu vas vouloir décider, fais ce que tu veux. Tu suis non. Fais ce que tu veux. Tu as 100 abonnés, tu viens me parler. Regarde comment tu es laid avec le gros nez. Attends, il te bloque. Gros nez, laideur. Comment il est laid le gars-là? Ah! Aïe. Il fallait que tu insultes avant de te bloquer. Oh. Comment il est laid comme ça? Continuons. Et c'est des personnes à qui tu ne dois rien. Mais, peut-être ta voisine de palier. Tu vois ta voisine, non? Je vis ma vie. Normalement, je ne dois rien, aucune explication à ma voisine. Mais, de temps en temps, bonjour, oui. Ah, et tu, oh non, le monsieur que tu vois, il vient souvent dans la nuit chez moi, là. C'est mon ami. Tu ne dois d'explication à personne. Tu dois mettre ça dans toi aujourd'hui. Ok? Tu ne dois des explications à personne. Mene, bonjour. Lanifa, bonjour. Le mauvais œil, seulement le fait qu'il parle. Pas qu'il voie, mais le fait que. Souvent, ils ont « Ah, ton gars, c'est bien, hein? Il est bien. Hein? » Et quand le gars t'énerve, tu peux peut-être arrêter la relation. Tu te dis « Ah, mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, en 2 mois, j'ai eu trois gars. Ah, alors que ces gens-là sont personne pour toi. Ils ne sont personne pour toi. They're nobody for you, but you feel like. » Et il y en a aussi là, on vous trompait. Vous étiez trop entouré d'hypocrites. On vous a trop trompé. Donc, je ne sais pas, peut-être tu vas surprendre une conversation ou bien on va te donner la vérité sur quelqu'un autour de toi. Il y a certaines conversations que tu vas surprendre et ça va te faire... Ça va te faire mal au début, mais on me dit que ça va passer. You know, this too shall pass.
Mais il fallait que tu vois le vrai visage de ces gens-là. Il y a des gens qui prétendent autour de toi, qui prétendent être avec toi. Ils sont avec toi pour ton argent. Tu as certains employés qui sont avec toi pour le salaire que tu leur donnes. Même le merci, c'est le merci hypocrite. Merci, madame. C'est un truc très hypocrite. Like, commentez cela. Je commence mon FU life. Je commence ma vie de je m'en fous. Je commence ma vie de va te faire foudre. Ok? Audrey, bonjour. Je crois que j'ai travaillé sur toi l'autre jour, Audrey. Oui. Je rappelle ta photo là. Mm-hmm. Je commence ma vie de je m'en fous. Je commence mon FU life. Il y a le FU money, non? Hein? Je commence ma vie de FU. Je m'en fous. Ma vie de va te faire foudre. Ma vie de va te faire foudre. FU life. Personne ne paye ton loyer. Personne ne te donne un salaire. Personne ce matin ne t'a appelé. Tu as bien dormi? Tu veux le jus? Personne ne t'a demandé. Hein? Mais pourquoi tu vas t'habiller tout à l'heure? Tu vas sortir, tu vas dire. Ah, ta jupe là, elle c'est quel genre de jupe comme ça là? C'est FU skirt. C'est ma jupe s'appelle va te faire foudre. Les gens qui vivent dans les coins avec les chambres où il y a les cités avec les gens là, les cités. Je vois certains filles ici là, vous vivez dans la cité avec d'autres personnes. Vous êtes dans la cité avec les gens. Mm-hmm. Mais c'est quel genre de jupe ça? C'est la jupe, je m'en fous. Ta voisine t'a déjà donné l'argent matin. Dieu m'a dit de te donner. Prends, ça c'est pour ton loyer. Hein? Parfois quand les gens te contrôlent et tu te laisses contrôler, tu ne te rends même pas compte. Je n'explique pas les rêves. Mais Rose, tu me suis pas. Tu me suis depuis combien de temps? Tu veux m'expliquer ton rêve? Je peux te bloquer. Hein? Je crois que tu bois encore le jus, chérie. Faut upgrade. Faut boire la Kaji. Pour la Guinness. Tu bois le jus? Elle vient m'expliquer son rêve. Bon, voyons ce qu'il y a d'autre. Indépendance d'organisation. Foster Clark. Tu vas commencer à te sentir free. Je peux enfin planifier ma vie. Je peux enfin, like. I can see clearly now the rain is gone. I can see all the obstacles in my way. Ding, 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 ding. I can see clearly now the rain is gone. It's gonna be a bright, bright, sunshiny day. I can see clearly now the rain is gone. Ça va déranger beaucoup de personnes. Tu vas aménager là où tu voulais toujours aménager, mais tu avais peur. Tu vas vivre ton happy life. Avant, quand tu vivais ton happy life, pendant que tu es en train d'enjoy, tu te dis, tu suis que, qu'est-ce que les gens vont dire après? Pourtant, ton argent que tu dépenses, c'est toi qui l'as travaillé. La jalousie, la carte de jalousie. Cette épine de jalousie va sortir de ton cœur. This is my decision, decision for me to come out. For me to come out, it means that I'm.
Ouh. Ton collègue afghan dit que je suis Nyanga. Ah, merci. Dans leur langue, on dit comment? J'ai été en Turquie. On dit merci, t'es chocolat. Je ne sais pas s'il comprend ça. Dis-lui merci. Thank you. Danke. Beaucoup de personnes ici, vous allez guérir. Votre âme va guérir. Vous allez guérir. Guérison d'âme. Ton soleil ne pouvait pas sortir de ton cœur pour briller. Et là, tu vas te sentir comme si j'ai le droit. J'ai le droit. J'ai le droit. J'ai le droit de manger mon argent. Je vais dire quelque chose. Vous dites, écrivez seulement j'ai le droit, ok? J'ai le droit de dépenser mon argent. J'ai le droit d'acheter la voiture que je veux. Sortir avec qui je veux. Dites j'ai le droit. Dites alors. Voyager pour aller là où je veux. Manger la nourriture qui me plaît. Sans me soucier que les autres vont manger quoi. Couper mes deux bières. Je suis conscient que les gens qui ne boivent pas l'alcool. Et personnellement, je ne bois pas l'alcool. Un vin blanc de temps en temps, c'est tout. Ok. De temps en temps, genre une fois tous les deux mois. Me marier avec qui je veux. Construire une belle maison avec mon argent. Même si c'est l'argent d'une autre personne. On m'a donné, non. J'ai le droit. M'habiller comme une reine. Prendre des petites vacances pour me reposer. Manger à 7h00. De temps en temps, c'est bien de briser un peu les règles. Hein? Être riche. Être riche. Là, c'est la meilleure. Oh my goodness. Être riche. Être riche. Suzy, merci pour les cadeaux. Adama, merci pour les cadeaux. Bien fait l'amour. Le rire vient. Tu dis que tu as le droit, tu ris encore. Pourquoi? La personne qui a ri là, il va te donner le temps mort. Suzy, je savais que tu allais dire un truc à côté, je savais. Je vous donne le droit d'être riche, de bien manger, de bien vivre, de bien... Tu vois, il y a des gens souvent que tu arrives chez eux. Tu vois comment ils vivent bien, ça t'énerve. Il ne fait pas avec ton argent. Il ne t'a pas volé pour être bien. Mais en fait, tu vois que tu te prives tellement. Et lui, il ne se prive pas. Et ça t'énerve. Oh Seigneur, pourquoi tu fais ça, Dieu? Hein? Bonjour, nouveaux abonnés. Je suis votre avocat défenseur. Je vous donne le droit de vivre. Je vous donne le droit d'être riche. Je vous donne le droit qu'on vous fasse bien l'amour. Et que vous fassiez bien l'amour vous-même. Ok, ça ne m'intéresse pas. Ah, pourquoi? Je bloque les gens. Hein. Je crois qu'ils devraient te bloquer. Attends, réfléchis si tu dois te bloquer. Parfois, vous fuyez de l'amour parce qu'on ne vous a on fait ça pas encore bien fait là. Bien fait ça. Vous savez que quelqu'un peut avoir 45 ans, qu'on ne lui a pas encore bien fait ça, non? Moi, je vous dis seulement, tu as touché l'argent, tu as les millions dans ton compte.
Mais toi-même, là, on n'a jamais vu une chaussure que tu as dit que la chaussure, si m'a plu jusqu'à. J'ai acheté. Je voulais partir dans la ville. Là, j'ai toujours voulu découvrir telle ville. Je n'ai jamais parti là-bas. Regarde s'il me plaît, mais. Oh, il me plaît, mais. J'ai envie de mais. Je coupe mais de votre bouche. Passez une journée sans dire mais pour voir un peu ce que ça donne. Merci, le lait arrive. Je veux dire que le lait arrive, non. Je vais bien faire le lait. Merci. Merci, Lulu. Tu es mon vrai follower. Mm-hmm. Les followers, c'est l'argent. On veut l'argent. Joy overflows. La joie va vraiment... Joy is going to spring out of your belly. La joie va sortir de votre ventre comme une fontaine. Excusez-moi, on me montre carrément quelqu'un qui va... J'aime pas qu'on me donne un tout privé de votre vie comme ça. Là. Quelqu'un qui va avoir un orgasme. Ok. Quelqu'un qui va avoir un orgasme carrément. Like, les prochains jours. Et tu vas te dire, mais pourquoi je suis aussi heureuse? Like. Et après, tu vas commencer à chercher que, où est le problème? Where is the catch? Where is the catch? Il n'y en a pas. Laura Kevin, c'est toi. C'est toi. Tu bois le jus. Hmm? Il y a aussi la promotion. Promotion. Excusez-moi, mais arrêtez. Excusez-moi, je dois vous dire ce que on me dit. Cet organe n'est pas un truc prémédité. Tu es sur le point de rencontrer quelqu'un avec qui tu seras très heureuse. Je sens quelqu'une que tu vas... Je sais pas, c'est comme si vous rencontrez, je suis là dans la pièce. Je ne veux pas voir quand ils sont en train de faire l'amour, s'il vous plaît. Mais je vois deux personnes qui se rencontrent et le gars, il est élancé. Il a une voix très forte. Et très éloquent. En fait, ton goût, non? Ton goût. Oui. Ton goût, mais ça vient naturellement, tu vois. On montre en fait avant que tu attirais ton goût avant, mais tu doutais beaucoup de toi. Maintenant, on montre que tu vas rencontrer ton goût et ne laisse pas tes pensées venir détruire. Quelqu'un qui prend très bien soin de lui. Peut-être ton gars est accouché à côté de toi et s'est dit que, ah, et j'ai en train de dire, amen, amen, mamie, pardon, ne mets pas dans les problèmes. Maintenant, cet épanouissement corporel, ça va te donner, ça va activer certains de tes pouvoirs. Oh my goodness! Ils sont en train de me relier le sexe avec la spiritualité. Je sais que c'est relié, ok? Donc, on montre quelqu'un que plus tu vas t'épanouir, il y aura des substances que tu vas... Oh my goodness, j'arrive pas à croire que je dis ça. Bon, je dis quand même. Il y a des substances qui vont sortir de ton corps, que tu vas relâcher, qui vont te connecter. Quand on dit souvent, amène-moi au septième ciel. Like, literally, de façon terre à terre, c'est ça. Tu finis de faire l'amour et tu as une inspiration de ouf. Oh my goodness. Ok, bon. Tu es encore peut-être dans le lit. Tu as une idée qui te vient là, bouf. Et tu commences à écrire, tu commences à écrire. Like, oh my God. Et je ne sais pas. Je sens quelqu'un aussi que ton cœur va s'ouvrir. On me dit que j'accepte mon cœur reste ouvert, j'accepte mon rêve. Oui. Ton cœur va s'ouvrir. C'est un peu comme s'il y a des vannes qui étaient fermées avant. Et quelqu'un d'âgé, hein, ce n'est pas comme si tu as 25 ans ou bien 22 ans. Mm-mm. Mais tu veux travailler avec moi pour faire quoi, mamie? J'ai des périodes que je ne travaille pas. Je travaille tous les 2-3 semaines. Je travaille sur les gens. Ok. Donc, et c'est comme si il y avait des entités négatives qui bloquaient cette partie de toi. Parce qu'ils savent que si tu es très heureux, si tu es accompli, naturellement, il y a une notion de prospérité qui va suivre. Et c'est comme si le temps est arrivé. Je sens vraiment une femme... Tu t'excites énormément. Je te vois en train de texter. Et plus tu t'excites, ton pouvoir s'active. Oh my God, je n'ai jamais relié ça comme ça. Mais, ta vie sexuelle, j'essaie de ne pas dire tout ce que je vois. Mais, je vais le dire. Avant, peut-être je fais l'amour une fois tous les mois, ou bien tous les 2 mois, ou bien ça fait longtemps que tu as fait l'amour. Mais, dans les prochains jours, tu pourras faire l'amour carrément tous les 2 jours. Like,
Il y aura des jours où tu vas faire trois fois carrément. Tu vas découvrir de nouvelles positions. Excusez-moi, ça va devenir un peu. Si les enfants à côté, enlevez-les. Il y a de nouvelles positions. Position lézard, position cafard, position crapaud. Je ne sais pas. Mais tu vas découvrir de nouvelles positions. Ta créativité dans le lit va être très. Je vois quelqu'un qui est très épanoui. Je vois quelqu'un que tu es en train de t'épanouir. Il y a des substances qui sortent. Je vois même carrément une délivrance. My God, ça c'est pas moi. Je suis pas comme ça d'habitude. Mais bon, je dois parler. Je vois une délivrance que tu étais censé avoir dans une relation avant. Et on a bloqué beaucoup. Je ne suis pas là pour écouter vos problèmes, ok? Si ton foyer va mal, tu payes, je travaille sur ton couple. Quand il fait mon direct, ce n'est pas pour vos problèmes. Tu payes 30 000 francs, je fais le lavage au couple, je travaille sur toi et ton mari. Voilà, bye. Donc, je vois quelqu'un ici, tu as beaucoup... même ton chakra de la gorge va s'ouvrir. En fait, quand tu faisais l'amour avant, tu étais très calme. Peut-être parce que tu as commencé avec un homme, l'homme avec lequel tu es sorti pendant des années, le père de tes enfants, nanana. Il n'aimait pas que tu parles quand vous faites de l'amour. Et là, on me dit que tes talents de coach sexuel. Oh Seigneur, je dois seulement parler. Je devais parler. Ok. Ta façon de faire l'amour va changer. Ta puissance va changer. Et en fait, bon, si tu as l'opportunité de faire l'amour dans les prochains jours, maximum 14-15 jours, vas-y. Parce que ça va te... En fait, je vois quelqu'un ici, là, tu rencontres un homme, excusez-moi, le même jour, vous faites de l'amour, et ça va contre tous tes principes. Tous tes principes t'ont chamboulé. Et quand tu sors de là, tu es tellement... Tu es une autre personne. Et tu essaies de résister. Tu dis, mais non, non. Mais ton corps suit la chose. Voilà. Et le temps de solitude s'est arrêté, fini. Pas que la personne sera avec toi tout le temps. Genre, parce qu'à un moment, il devra prendre son temps. Il devra te laisser de l'espace. Tu étais même sur lui comme ça. Hein? Et les femmes, c'est là. Yeah. Yeah. Elle dit sur TikTok qu'elle était sur son gars en m'écoutant. Donc, bonjour les gars qui sont encore dans le lit avec leurs femmes là. Bonjour. Donc, je sens quelqu'un que, avant, tu sentais la présence du Saint-Esprit picoter dans ton corps. Et tu t'es retenu de l'amour pendant longtemps. Et je parlais du premier homme avec lequel tu as été. Donc, tes premières fois de faire l'amour, tu vois quelqu'un qui était dans un long mariage. Et dans le mariage, là, on fermait beaucoup ta bouche. C'est genre, pendant l'acte sexuel, tu ne pouvais pas parler. Tu ne pouvais pas t'exprimer. Quand ça te plaisait, tu ne pouvais pas dire. Donc, pour toi, le sexe est comme un tabou. Je sais pas, même pas un tabou, c'est comme un truc non nécessaire. Il y a cette partie-là qu'on me montre qui va s'ouvrir. Et dans, genre, dans l'acte sexuel, tu vas te retrouver à te dire, oui, là-bas, oui, oui, vas-y. Non, je sais pas. Tu vas beaucoup le coacher, ok? Quand on touche quelque part, c'est bon, tu dis que oui, il faut encore marquer le but là-bas. En tout cas, ce n'est pas moi. Considérez que ce n'est pas un lumière qui parle actuellement. Bon, je sens quelqu'un qui était très frustré. Ta gorge était bloquée, ton corps était bloqué. Et là, il y a une nouvelle face de toi qui va sortir. Tu vas beaucoup t'exprimer. Et ça va commencer dans la chambre. Et c'est là que tes vidéos, les vidéos que tu vas faire seront différentes. Voilà. Même, donc, la façon dont tu vas parler, ça sera différent. La façon dont tu vas parler aux démons. Je vois aussi quelqu'un ici là que tu avais la capacité de voir souvent les démons. Ok? Avec cette libération, tu vas les voir et tu vas parler, tu vas les adresser en fait. Donc, tu ne vas plus retenir, genre, je vois une personne ici, avant, tu as quelqu'un devant toi, l'esprit te dit, dis-lui ça. Tu commences à dire, ah non, comment il peut lui dire ça? Je ne la connais même pas. Ah, je veux dire, donc, cette barrière est quittée. Tout ce que tu ressens, tu parles. Et le spirituel, c'est beaucoup dans les sensations. Le spirituel, c'est dans les sensations. Donc, tu vas apprendre à exprimer ce que tu ressens. Oui. Tu vas écrire, tu vas dire que bébé, je vais faire l'amour. Toi, qu'avant, là, quand tu dis, hey, pour que l'homme te fasse l'amour, il allait tourner comme ça. Fais semblant, t'amène au resto. Alors que c'est ton gars. Tourner. Finalement, il vient, il te touche même un peu. Tu résistes pendant 2 heures de temps, alors que tu veux. C'est maintenant toi qui vas lui écrire, tu vas dire que je veux faire l'amour. Tu vois un changement de personnalité, non? Voilà.
personnalité va changer totalement. Et c'est comme s'il y avait une énergie qui tombe. Tu vois quelqu'un que son sperme est bloqué pendant des années. Finalement, on débouche. Quand on débouche, vraiment, pouf! Voilà. C'est toi, en fait. Je parle très rarement de tout ce qui est sexuel sur ma page parce que je n'aime pas parler du sexe de façon sale. Il y a une façon spirituelle de parler de sexe. Oui. Il y a une façon spirituelle de parler de sexe, je suis sûr. I am sure. Je parle plus parce que j'attends. J'attends pour voir si l'énergie s'est va passer. C'est une énergie très forte. Mon cœur est carrément tout là. Mon cœur est comme ça. Bonjour design. Mon cœur est tout excité là. M'aller comme ça là, inspirer un peu, inspirer. Je vois beaucoup de désirs que vous avez refoulés. Et ça aussi, c'est dû au fait que certains d'entre vous, vous avez été abusés sexuellement dans l'enfance. Donc ça a mis comme un bouchon. Vous aviez une vie, sexuelle dans votre couple, mais ce n'était pas épanoui. Et il y a aussi des personnes ici là que... Quand ça buguait, je ne parlais pas, j'avais arrêté de parler. Donc, il y en a ici là que vous allez même rencontrer des gars. Tu vas rencontrer un mec à qui tu vas commencer à enseigner même. La connexion ne marche plus. Vous m'entendez? Donc, tu vas commencer à enseigner même certaines choses à ton gars. Ta créativité sera de ouf. Genre, tu vas rester comme ça là. Tu as dit, ben attends, je vais te montrer. Tu l'invites dans un parc. Vous arrivez au parc. Tu lui sors les positions. Et one darkness. Après, tu lui dis, non, allons dans la voiture. Après, donc, je ne sais pas comment il peut dire. Il y a quelque chose qui s'est libéré en toi ce matin. Et peut-être ça t'arrivait ces derniers jours, mais tu ne comprenais pas pourquoi. Tu ne savais pas ce qui se passe. Ou encore, tu essayais de résister. Laisse-toi aller, ça fait partie du flow énergétique. Et prends aussi beaucoup de photos. Pas besoin de les poster, mais prends beaucoup de photos. Je vois aussi quelqu'un qui a l'air très belle, très très jolie ces derniers jours. Ces hormones vont te rendre très jolie. Et parfois, on me dit que c'est bien, ce sera bien pour toi de te voir. Ce sera bien pour toi de te voir. Donc tu restes comme ça, tu te vois, tu dis, wouh! Je dis, ah, I'm fine. I'm fine. The girl fine. I'm fine. Écris cela. I'm fine. Je suis belle. I'm fine. Donc beaucoup de photos. Voilà. Enfin. N'attends plus que quelqu'un d'autre vienne te dire que tu es belle. Souvent, tu regardes tes photos. C'est bien, fine. I'm fine. Quand les idées sexuelles là vont venir, il faut les mettre en pratique dans la chambre, mamie. Tu as compris? Ça va permettre l'activation de tes pouvoirs.
Je ne savais pas que vous pouvez conseiller un jour ça à quelqu'un. Mais il vous dit. Quand il ressent quelque chose, il dit. Il y a aussi quelqu'un que tu n'étais pas très épanoui dans le couple avec ta femme. Je ne dirais pas que tu vas rencontrer une autre femme qui va te débloquer pour que tu ailles être heureux avec ta femme au lit. Mais je pense que ta femme n'est pas très heureuse parce que tu ne lui fais pas bien ça. I'm sorry, je l'ai dit. Ok, désolé les mecs. Tu n'as pas encore pris un jour ta femme pour ça. Tu l'as frappée correctement au lit. Oui. Elle sort de la chambre, elle n'avait pas marché. Elle reste au lit toute la journée, elle dort. On demande que c'est quoi. Elle-même, elle ne peut pas expliquer. Et puis, elle te manque de respect, tu la regardes. Tu l'observes. Hmm? Tu l'observes. Mm-hmm. Tu regardais tes photos, oui. Quand je fais mes directs, généralement, je donne l'énergie, je parle avec l'énergie de ce que je reçois, même si je résiste souvent. Là, j'ai beaucoup résisté sur la partie sexuelle, j'ai beaucoup résisté quand on parlait de sexe. Mm-hmm. Donc, j'ai donné des instructions à un mec. Il faut absolument que ta femme a besoin d'être fouettée. Fouette là ce soir. Tu prends même 4 jours, tu la fouettes tous les jours. Jesus, qu'est-ce qui m'arrive? Tu la fouettes bien. Jusqu'à n'arrive pas à marcher. Elle dit même qu'elle est fatiguée, tu la fouettes. Irish ne rit plus, pardon, quitte ici. Irish, qu'est-ce que tu m'en dirais? Aïe. On me dit de vous dire, les hommes là, que parfois les femmes oublient. Parfois elles oublient qu'elles vous aiment. Parfois tu restes avec comme ça là, tu commences. Au début vous faisiez bien l'amour. Mais depuis un an, tu lui fais un peu l'amour genre 2 minutes. Non, non, non. S'il faut prendre, même s'il faut prendre le Viagra, tu prends. Et Wanda, tu ne lui dis pas. Tu la fouettes comme ça là. Comme ça. Elle t'appelle tonton. Voilà. Tonton. Elle avait besoin de ça. On a un bureau au Gabon, en face de l'hôtel de lui. Bon, je vous donne le numéro de mes magasins, ok? Prenez le big pour écrire. Quand vous avez le big, vous me dites. Dans ma bio sur TikTok et sur Facebook, il y a le lien. Et quand vous écrivez, demandez un kit, demandez les produits. Je vends les produits contre les maris de nuit. Les produits pour enlever les malédictions sur vous, malédictions familiales. Voilà, pour la femme poney. Aïe. Nobody, je suis très sérieuse. Va faire ça, tu vas voir, tu me diras. Mm-hmm. Ok, ton cœur s'arrête pourquoi? Pourquoi c'est toujours négatif? En passant, j'ai les écorces du Poutoulou. J'avais acheté ça, ça fait 2 mois, mais j'ai pas mis au magasin. J'ai les écorces du Poutoulou. C'est pour augmenter ton travail. Tu mets ça 30 minutes avant de commencer. Mais il y a les femmes que vous ne pouvez pas tenter. Si tu mets ça sur ton gars, c'est que tu ne vas pas dormir. Tellement ton gars, la bombe lui-même, il ne te laisse pas. Donc, le Poutoulou, là, on ne donne pas à n'importe quel homme. Il y a certains hommes que tu ne peux pas, ne tente pas de donner le Poutoulou. C'est que tu es mort. Tu es morte, pardon. Maria, merci. C'est que tu es morte. 4 heures de temps plus tard, il est là, il dit, chérie, je veux encore. Il n'a pas encore, c'est pas encore sorti. Hein. Donc, on ne donne pas le Poutoulou à n'importe qui. Donc, l'autre, là, c'est naturel. C'était les écorces là, il y en a à Douala. Il y en a à Douala. Si vous avez peur du Viagra, achetez le Poutoulou alors. Donc vous avez de quoi noter. Au Gabon, le numéro du Gabon c'est le 074. 74. Voilà. Quand une femme sort avec un sportif, ne tente pas de lui donner un Poutoulou. Mamie, c'est que tu peux mourir au lit. Sportif? Les coachs de sport, les gens qui font la danse, les gens qui font le sport de combat, peu importe le genre de sport que ton gars fait, ne tente pas. Tu vas lire. Bon, tu vas regretter, tu te souviendras de la nuit où tu avais essayé. Tu vas fuir, tu vas laisser à la maison. Donc, le numéro du Gabon, 074-18-0080. Ça, c'est pour le Gabon. On est à la montée de lui. Le local est à la montée de lui. En face de l'hôtel de lui.
y a ma photo dehors là, c'est en grand comme ça dehors. 074-18-0080. C'est ça, merci Émeraude. Côte d'Ivoire, 0779. Émeraude Shop, merci. Tu vends les vêtements. Tu es en Espagne. Ok. Oui, oui, on poste les choses en Europe aussi. Bientôt, on aura un magasin en Europe. Bientôt. Ça arrive très, très, très bientôt. Donc, le Gabon, pardon, la Côte d'Ivoire, 0,74-18. Non, ça c'est le Gabon. 0,7-79. Donc, je donne le numéro de la Côte d'Ivoire. 0,7-79-02-52-05. On envoie les produits à Paris, Bruxelles, Allemagne, au Canada, on envoie. Bon, j'ai un truc qui est récurrent chez les... J'ai beaucoup de témoignages, genre, quand j'utilise les kits, mes choses marchent. Quand j'arrête, ça ne marche plus. Vous ne pouvez pas rester sans faire un travail spirituel sur vous. Me suivez. Non, les gars qui partent au 2-0, ce sont les blagueurs. Le 2-0, ce n'est pas le sport. You need somebody in London. Okay, you put your message twice. So stop now, please. People from London will see you. Thanks. Merci, Latifa. On parle de Boutoulou. Si tu prends le Boutoulou, ça va t'aider, non, monsieur? Quand tu commences un travail spirituel sur toi, tu ne peux pas t'arrêter. J'espère que vous comprenez ce qu'il vous dit. Il faut avoir l'habitude de prendre un kit. Tous les 2 mois. Un kit peut faire en moyenne 2 mois. Ne commence pas ton travail spirituel, tu t'arrêtes. Et l'ennemi connaît quand tu es en train de vouloir percer. Et je... À la veille de ta PC, tu as souvent beaucoup de problèmes. Ton mental est attaqué. Merci Stéphanie. Ton mental est attaqué. Tes finances à l'eau. Des jours, tu pointes 300 000. Certains jours, même 3 000, tu n'arrives pas à vendre. Là, tu sens que tu es en train de passer à un autre niveau spirituel. Ne travaille pas sur vous, vous arrêtez. Si tu fais 2, 3, 4 mois, 5 mois, tu ne travailles pas sur toi. Tu es en train de chercher les problèmes. Tu es en train de chercher les problèmes. J'espère que vous allez comprendre. Le numéro du Cameroun, c'est le 237-693-50-22-66. Si vous nous contactez pour la France et tous les endroits, là, on va vous donner les contacts. Venez au moins prenez au moins le sel pour commencer. Vous prenez le thé pour boire. Vous traitez l'extérieur et l'intérieur avec un petit parfum. Salut Sonia de la Réunion, merci. Payez vos dîmes. J'ai un de mes collaborateurs hier qui me dit, il me demande est-ce que je peux vous parler. Oui. Et je trouve du temps, on commence à parler. Et là, il me dit, il ne comprend pas. Il a l'impression que quand il a l'argent, ça rentre dans un trou.
financier, ça part. Voilà les conseils que je lui ai donnés. Paye ta dîme. Paye ta dîme. 10% de ton revenu, mets de côté. 237 693 50 22 66. Paye ta dîme. On poste à Bafoussam, Yaoundé, Garoua, Maroua, on poste, on envoie. Deuxième chose, lave-toi constamment au sel, avec le parfum. Sel, parfum, c'est pas, on se limite pas seulement au sel. Le sel, c'est la première étape. Mais le pipi, c'est le début. Il y a les produits que tu mets dans l'eau, tu te laves avec. Prends le truc, tu bois. J'ai les thés. Il y a les remèdes de poison de nuit. Il y a les remèdes de ceci. Prends, tu lèches. Tu as besoin de ta vivacité. Quand tu es attaqué, tu connais. Tu te réveilles comme ça, tu sens que... Et j'ai des bougies que j'ai créées là. Les bougies pour chasser les mauvais esprits à la maison. La dîme se paye chez la personne qui te nourrit spirituellement. Si tu pars dans une église, c'est là-bas que tu payes. Sauf que c'est chez moi qu'ils sont nourris spirituellement. Si ce sont mes conseils qui vous aident, vous payez chez moi. Tu peux avoir une autre personne. La dîme, ce n'est pas ce qu'on donne à sa mère. La dîme se donne là où... Si tu sais que ça ne va pas... Qui? Quel est l'endroit où la personne qui te soulève? Là où tu apprends, tu grandis. Je ne suis pas la seule personne chez qui on paye la dîme. C'est pour ça que vos maîtres spirituels doivent vous enseigner sur la dîme. Et quand tu payes ta dîme, parle dessus. Il y a des malédictions sur votre argent là que c'est la dîme qui va briser. Il y en a, vous êtes dans des mauvaises relations. Ton partenaire ou ta partenaire, c'est le trou. Ta dîme qui te protège. Les dons, orphelins, veuves, orphelins. Parfois quand c'est chaud, il te reste même 10 000. Prends 4 000 sur ça, tu peux faire un don quelque part dans un orphelinat. Les choses sont bloquées comme ça là. Achète des bonbons, tu envoies à une de tes tantes au village. Tu dis, maman, voilà, je t'ai fait un dépôt de 10 000. 5 000, c'est pour ton huile. Prends 5 000, tu achètes des bonbons, tu partages aux enfants du village. Ne blaguez pas. Vous devez sentir quand vous êtes bloqué. Tu as raison, ça, tu dis, something's not right here. Like, vous devez pouvoir le sentir. Clarisse, j'ai vu ton message, je n'ai rien à dire, c'est pour ça que tu n'as pas parlé. Esprit de mort, c'est toi qui connais l'autre chapitre, esprit de mort là. Vous me laissez. On vous donne les instructions, vous ne suivez pas. Vous voulez que on vienne se pencher sur votre cas. Voilà. Comment? Parfois vous êtes têtu. Vous maîtrisez, non? Est-ce que moi j'ai un problème? Ne faites pas. Pour moi quoi? Il est connu. Impératrice, merci. Bon. Regardez, go. Faut que j'aille manger. Je vous dis qu'il mangeait à 8 heures. Donc j'ai dit qu'il s'est marié à 7h, donc il n'est pas mangé, il est à 8h, moins 10 minutes. Vous passez une superbe journée. Le numéro 237-693-50-22-66. Ceux qui veulent réserver consultation ou lecture de carte. Réservé sur mon site internet. Je ne prends plus les commandes en direct. Quand vous prenez en direct comme ça, là, vous venez, vous payez. Après, non. Réservez sur le site. Mais peut quand même lire deux personnes. J'ai envie de lire deux personnes. Les cristaux, porter les cristaux, mais les tuiles sont payantes. Ça te dérange pas? Je fais rien de gratuit, rien. Peut-être que vous avez un direct, votre direct que vous faites avec vos gens. Moi, rien chez moi n'est gratuit. Moi, avec l'argent, pardon, vous avez mis les bleus le matin. Fait 2 heures de direct comme ça, la peau est pauvre après, même pas pour vos beaux yeux. Je vous dis,
Attendez, il y a une personne qui a payé pour la lecture hier ou avant-hier. Même pas pour vos beaux yeux. Like, not at all. Prenez rendez-vous avec elle, s'il vous plaît. Nathaniel, comment tu vas? Comment tu vas? Tu vas bien? Mon ancien amour. Ancien, ancien. Salut Arsène, je vais te faire ta lecture. Tu es un agent de lumière incompris avec beaucoup d'ennemis, monsieur. Beaucoup d'ennemis. Enemies. I got enemies. Enemies trying to kill me. Bon, ils ont aussi retardé beaucoup ton cycle d'argent. Oui, des finances. Par contre, tu es très protégé parce qu'on t'aurait tué depuis longtemps. Je vois, on a essayé au moins deux fois de te tuer, monsieur. Je crois que ça sera dévoilé. Il y a des gens qui vont venir te dire... Voilà, j'ai essayé de te tuer. Pas j'ai essayé de te tuer, voilà. Ils vont venir avouer. Je vois des gens qui vont venir avouer. Tu devrais faire un tour en Égypte quand tu peux. Je vois l'ancienne Égypte dans tes collections. Dans tes... L'ancienne Égypte et l'eau. Tu dois être un siroi. Mm-hmm. Beaucoup de richesses aussi. Mais tu es quelqu'un que tu as beaucoup de... Tu traverses beaucoup d'obstacles. Donc peut-être dans cette période-ci, tu es dans une, vraiment une nuit noire de l'âme. Donc tes choses ne vont pas vraiment, vraiment bien. Le but, c'est de te pousser, en fait. Oui. Parce que je vois l'argent au bout. Tu seras très riche. Tu seras riche. Et, waouh. Je crois qu'il y a des traumatismes que tu as subis dans l'enfance. Et ça t'a un peu traumatisé, ouais. Pas que les traumatismes m'ont traumatisé, mais je vois ta relation peut-être avec ta mère, une figure féminine. C'est pour ça, peut-être que ça, tu as souvent des problèmes avec ta copine ou bien ta femme. Oui. Tu vas devoir libérer ça. Je sens beaucoup de lourdeur dans tes bras. Fais un don dans un orphelinat. Ça va t'aider. Et il faut payer un lavage des envoûtements, un lavage prospérité pour lui. Et tu dois faire une offrande à l'eau pour toi aussi. Offrande à l'eau. Oui, offrande à l'eau. Tu es très connecté à l'eau. Tu es aussi très haut placé dans le monde spirituel. Tu dois prendre un kit des envoûtements. Tu n'as pas eu des poisons de nuit dans le ventre. Ça te bloque en même temps. Et le thé de désenvoûtement, la bois ça beaucoup. Et tu te puges avec. Bonjour. Je fais les lectures. Quelques lectures de cartes à nous partir. Garel. Bonjour. Tu as un rang spirituel très haut. Pour payer, dans ma bio, il y a un lien. Vous allez dans ce lien-là, vous payez. Mm-hmm. Ceux qui ont mon numéro inbox, déjà, vous m'écrivez. Là, je vous donne. Payez au numéro auquel vous écrivez. C'est un numéro Orange Money. Vous faites la capture, vous envoyez maintenant. Mais tous les autres nouveaux, allez la payer sur mon site. C'est que vous êtes paresseux. C'est pour ça que vous mettez au travail. Vous avez suivi, non? Bogofa. Bon, il y a le... Tu as un rang spirituel élevé. Tu es très conduite, guidée par l'esprit. D'où tes coiffures, tes goûts. Tu vois, tes goûts vestimentaires aussi. Et les personnes autour de toi ont toujours redouté que tu saches qui tu es. Je vois deux cartes qui me montrent que tu as une grande mission sur la terre. Et tu es haut placé dans le spirituel. Tu es déjà la personne, tu arrives, peut-être dans le passé, on t'a même déjà fait des révérences, on t'a déjà dit waouh, ma reine, des choses comme ça. Et tu te demandes, mais pourquoi est-ce qu'il m'appelle comme ça? Parce qu'il y a des personnes qui ont pu voir très, très tôt ce que tu portes. Oui. Maintenant, tu es arrivé dans ton moment d'éveil. Et tu as pris un peu de retard parce que tu devais être plus long que ça.
ça faisait partie du processus. Ça faisait partie du processus. Tu vas beaucoup voir les synchronicités, ok? 4-4-4, 3-3-3, 12h12, 11h11, des choses comme ça. Voilà. Et ton plus grand challenge, ce sera de ne pas te sous-estimer, parce que tu te sous-estimes énormément. Et tu es un peu lente à l'action quand on te parle. Donc, ta renaissance est en train de se passer. Tu es en métamorphose spirituelle. Donc, tu dois apprendre. Je crois que tu es beaucoup attiré par les enseignants spirituels actuellement. C'est parce que tu dois apprendre pour... Tu es en train d'ingurgiter pour régurgiter plus tard. Tu as le don de l'enseignement. Donc, tu vas enseigner plus tard, mais pour l'instant, tu es en train d'apprendre auprès de certaines personnes. Voilà. Ton pied gauche, peut-être tu as mal au pied gauche. Il faut une guérison de ce côté-là. Et beaucoup de déplacements. À un moment, tu vas te déplacer beaucoup. Donc, tu dois prendre... demande un lavage fondation, un lavage beauté et un lavage prospérité. Le lavage beauté, c'est un nouveau truc que je viens de sortir. Et tu demandes le kit mari de nuit. Tu dois avoir un truc dans le spirituel comme ça. Un kit mari de nuit. Plus tard, tu prendras le kit des envoûtements. Ok. You make my life so beautiful. Si vous avez mon numéro, payez sur mon numéro. Je ne vous donne pas mon numéro. Si vous n'avez pas... Je fais cache-cache avec vous. Tu dis que tu es là. Tu es là et je fais comment? Tu veux le jus? Que je suis là. Ne faites pas vous insulter, pardon. Je vous en prie. Mes lectures ne sont pas gratuites. Vous devez toujours mettre une réciprocité dans l'énergie. Elle, toujours, always. Je crois que j'ai épuisé toutes mes lectures. Je t'avais chassé. Ah, en passant, il y en a parmi vous, quand je vous chasse, ne revenez plus sur ma page. Mais je ne sais plus ce qui vous bloque encore. J'avais bloqué la femme sinon. Oh, tu m'as encore pourquoi? Et tu vas déjeuner avec quoi? Bon, il y a un buffet là-bas. Je suis dans un hôtel actuellement. Je vais voir ce qu'ils ont là-bas. Moi, je veux manger. J'ai vu le plantain mu là-bas. J'ai vu une femme traîner le plantain mu pour aller avec. Je vais m'aller planter mieux avec les yeux. Je doute fort que ce soit ce qui sera au menu là-bas. Je pourrais te dire quelque chose sur toi. Non, je ne pourrais pas. Vous savez que j'aime pas trop faire les lectures. Les lectures épuisent. Ta mère vend le bois pour allumer le feu. Ou comme ça, là, j'en aurais besoin peut-être. Mm-hmm. I might need, I might.